standing and giving instructions from the touchline. I mean, Mo, you were talking about the absence of Modu Barrow in this, I mean, first 45 minutes. And it's eminent and it's obvious that he's been on the talking, on the lips of everyone. Yeah! No! That is it! No! That's the moment we have been waiting for! Modu Barrow! Steve Flawless! As if! And was nowhere! He was able to produce the goods, followed up as if he was being called to make sure that the goods are delivered the Gambia way. We have gone on top in this very first 45 or second 45 minutes. In terms of attacking, he was so composed. He knew what he wanted. He didn't knowing the gap between him and the goalkeeper. He did make the following. He kept going. And at the end, he got. Vous êtes sur DMTV. Bonjour ou bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Nous revenons encore auprès de vous, hein, puisqu'il y a eu évolution par rapport à l'actualité sportive. Vous le savez, le match de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, mais qui va visiblement se jouer en 2022. Covid-19 oblige, hein, tout finalement semble être décalé. Alors ce match qui opposait aujourd'hui 16 novembre à Banjul en Gambie, l'équipe gabonaise leader, hein, avant ce match avec 7 points à la Gambie, deuxième avec 4 points, a donné donc son verdict et ça a des conséquences sur la République démocratique du Congo qui va devoir affronter demain mardi 17 novembre à Luanda, l'Angola, dans le cadre toujours de ces éliminatoires en match retour. On sait qu'en match aller, les deux équipes se sont séparées dos à dos, 0 but partout. Alors la République démocratique du Congo, plus que jamais en danger, Christian Ntsengui Biembe se retrouve dos au mur, puisque le résultat de ce match Gambie-Gabon n'arrange pas du tout les affaires de la République démocratique du Congo, puisque la Gambie passe en première position et rejoint le Gabon avec 7 points, sauf que la Gambie a un meilleur goal différence de plus 2 et le Gabon c'est plus 1. Avec 7 points, les deux pays ne peuvent pas être rejoints par la République démocratique du Congo, encore moins par l'Angola. Lors de cette quatrième journée, il faudrait attendre peut-être la cinquième journée où la RDC affrontera le Gabon à Libreville et l'Angola voyagera et ira en Gambie. Alors la suite devient compliquée, mais pas impossible. Hein. C'est une mission difficile, mais pas impossible. Alors, avec des lacunes que nous a montré Christian Ntsengui Biembe, quelles sont les chances de la République démocratique du Congo pour aller au Cameroun, hein, et se qualifier? C'est ce que nous allons tenter de voir ici, en essayant un peu de sortir nos calculettes. On pensait que l'époque des calculettes était déjà dépassée. Ben non, Christian Ntsengui Biembe visiblement aime trop les calculettes et veut que nous continuions à l'utiliser. Alors, pour la République démocratique du Congo, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas plusieurs réflexions à faire. Il faut battre l'Angola demain et avoir 6 points. On gardera la troisième position, bien entendu. Mais après, il faudrait aller à Libreville et éviter à tout prix la défaite. Un match nul pourrait encore passer, mais une défaite, ce sera vraiment compliqué. Alors, si la République démocratique du Congo parvient à faire ces deux résultats et donc battre l'Angola et faire un match nul au Gabon, la République démocratique du Congo va totaliser 7 points exactement comme peut-être... Ce ne sera pas peut-être comme le Gabon ou comme la Gambie, parce que dans l'entretemps, la Gambie va affronter également l'Angola. Il faudra espérer peut-être une victoire de l'Angola en Gambie, ce qui est peu probable, hein, au vu de la prestation de l'équipe gambienne à domicile. Hein, cette équipe qui ne concède pas de défaite, hein, cette équipe qui a fait jeu égal avec la République démocratique du Congo, 2 buts partout et qui a égalisé, alors que la République démocratique du Congo menait par 2-1. Mais pour le Gabon, c'est
le Gabon qui a réduit le score. Le Gabon a été mené par 2-0. D'abord une première mi-temps qui était en faveur du Gabon, mais les Gabonais ont vendagé en tout cas quelques occasions qu'ils étaient procurées, mais la Gambie s'est montrée en tout cas beaucoup plus réaliste et avait inscrit 2 buts et le Gabon a pu revenir à la marque, hein, en tout cas réduire le score vers les ultimes minutes. Donc voilà, il n'y a pas 36 solutions comme je l'ai dit. Si la RDC bat l'Angola demain à Luanda et va faire match nul avec le Gabon à Libreville, la RDC aura 7 points et le dernier match, la République démocratique du Congo recevra la Gambie et ce sera une finale. Parce que, raisonnons un peu, émettons une seule hypothèse, hein, que la Gambie bat l'Angola. Lors de la 5e journée, la Gambie aura 10 points. Alors il faudrait que la République démocratique du Congo batte la Gambie ici, en espérant en tout cas aussi avoir un meilleur goal à virage, hein, parce que ça va effectivement aussi compter. Si la République démocratique du Congo bat la Gambie, elle pourra alors se qualifier au détriment de la Gambie, même en cas d'égalité des points. Ce serait la probabilité la plus en tout cas plausible, hein, que la RDC se retrouve en égalité de points avec la Gambie, soit 10 points. Donc voilà comment la situation se complique. Elle se complique d'autant que la République démocratique du Congo elle-même a eu à diminuer ses chances en concédant 2 nuls ici à domicile, alors que vous le voyez bien, la Gambie à domicile n'a concédé aucune défaite, hein, et donc n'a perdu que 2 points à domicile. La RDC en a perdu 4. C'est certainement ce qui fera aussi la différence. C'est des points perdus en RDC. Il faut bien aller les chercher à l'étranger, donc à Luanda et à Libreville, au Gabon. Alors, la République démocratique du Congo, ce qui est encore pire avec Christian Tsengibiembe, les statistiques qui ne mentent pas, c'est qu'ici, à domicile, la RDC ne parvient même pas à marquer un seul but. Et comme à l'extérieur, nous, visiblement, nous jouons mieux et qu'à l'extérieur, nous marquons des buts, hein, preuve ce match en Gambie où on a marqué 2 buts, espérons que cela sera également le cas demain à Luanda et plus tard l'année prochaine à Libreville, hein, où on va affronter en tout cas une équipe du Gabon qui va chercher à avoir déjà les 10 points lors de cette rencontre-là. Ça promet en tout cas une rencontre très très ouverte. Mais avant d'y arriver, avant d'arriver à Libreville, nous avons d'abord Luanda où on doit rectifier les tirs, hein, et revoir ce qui n'a pas marché ici et chercher absolument avoir 3 points. Un match nul serait catastrophique et là on pourrait dire déjà adieu à la Coupe d'Afrique parce que mathématiquement ça deviendra compliqué. Il faudra aller battre le Gabon à Libreville et battre la Gambie ici. Je vous assure que ce sera pas facile parce que ce sont d'ailleurs les 2 meilleures équipes de notre groupe, le groupe D. Donc voilà tout ce qu'on peut dire, hein, à ce stade par rapport à cette évolution. La Gambie, contre toute attente, bat le Gabon et avec tout ce qui s'est passé à l'aéroport, les Gabonais n'ont pas su en tout cas renverser, hein, cette Gambie là-bas sur place. On ne va pas non plus ignorer les qualités, hein, des joueurs gambiens. On a eu à les affronter. On sait que ce sont des joueurs qui ont un mental très fort et qu'il faut rester concentré, hein, jusqu'à la fin du match quand vous jouez contre la Gambie. Et moindre erreur, ça ne pardonne pas. La Gambie n'a pas de joueurs très très connus, mais ils ont des professionnels qui évoluent un peu partout en Europe et pour la plupart en tout cas en Italie. Je pense que c'est une équipe solide, hein, que l'on doit prendre au sérieux. Ce n'est plus un hasard, hein, de voir la Gambie prester ainsi, aller battre l'Angola à Luanda 3-1 et recevoir la République démocratique du Congo et faire un match nul de 2-2. Donc en 2 rencontres, la Gambie avait marqué 5 buts et en avait encaissé que on en avait encaissé en tout cas 3. Et pour la 3e rencontre au Gabon, la Gambie, qui a concédé une défaite, hein, à Libreville, néanmoins a réussi quand même à marquer aussi un but. Ça veut dire que c'est une équipe qui a une bonne attaque, une attaque qui est en tout cas très très prolifique. On devra veiller à tout ça lors de la dernière journée qui sera très très décisive, plus que les autres bien entendu. En attendant, il faut battre d'abord l'Angola demain 17h sur le coup de 17h heure de Kinshasa. Voilà, nous arrivons à la fin, hein, nous, de ce flash d'informations, parce qu'on devrait tout de même faire le bilan par rapport à ce groupe, le groupe D, hein, le groupe de la République démocratique
démocratique du Congo et la République démocratique du Congo qui est en danger maintenant. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi laisser un commentaire, hein, vous exprimer, hein, si vous avez un point de vue à partager avec nous. Mais abonnez-vous également sur votre chaîne DMTV, hein, n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui va vous permettre en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Merci à vous pour ces quelques minutes que vous nous avez accordées, quelques minutes d'échange, hein, avec vous sur ce sujet que nous espérons vous aura intéressé, et nous allons bien entendu revenir encore vers vous, hein, sur un autre sujet. Et en attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.